They wanted to see my genitals. They saw that I was circumcised. And that was it. Along with other Jews from Nice, Eric was put on an ordinary French passenger train bound for Paris. He was brought to Drancy, a concentration camp 7 kilometers from the center of Paris. Drancy had been designed as a public housing estate, influenced by the ideas of German modernism. It was the first development of its kind in Paris. Construction started in the late 1930s. But in 1941, with building works unfinished, Drancy was turned into a concentration camp for Jews. Drancy was not the only concentration camp in France. In the 1930s, the French built a network of camps to hold refugees from the Spanish Civil War and Jews escaping the Nazis. The camps were run by the French gendarmerie, or military police. The French government had created a system designed to hold people it judged to be undesirable. The majority of people detained were Jewish refugees. In the 1930s, the Jews living in France were divided in two groups, Israelites and immigrants. The Israelites had lived in France for many generations. They were mainly middle class and felt at home in the French culture. The immigrants had arrived more recently from Eastern Europe, escaping persecution in their homelands. The immigrant Jews were mostly working class. They stood out either because of their orthodox customs or because of their left-wing political views. Most lived in working-class Jewish neighborhoods like the 11th arrondissement. Jacques Adler, the son of immigrants, was keenly aware of the differences between the Israelites and the immigrant Jews. We are two worlds coexisting, unhappily coexisting. On the one end, you are the old established Jewish conservative forces represented by the French Israelite. On the other hand, you had these immigrant Jews who have brought with them a culture, a sense of national identity that lived a totally separate life, totally different understanding of the political life at the time, the crisis of the 30s, the Munich, what was happening in Nazi Germany, which was totally at variance with the French Israelites. Jews were already being persecuted elsewhere in Europe. Those in France, however, felt safe. They felt protected by the ideals of liberté, égalité, fraternité. In 1940, Liliane Lévy-Osbert was 21 years old. On était une famille assez intégrée, plutôt traditionnaliste que religieuse. Ce qui avait d'importance, c'était l'école, mes amis, mes petites camarades. Et j'étais très, très, très parisienne, française. Eric Rosen enjoyed his childhood in Nice. I went to the beach, I was swimming, and I had friends, and I had girlfriends, and I had a very, very nice life. In the evening, I had my Hebrew lessons, or I went to Hebrew school, and Saturday I went to synagogue. Eva Fagelson has happy memories of her girlhood years in Paris. Nous avions une bonne vie en France. Mon père et ma mère adoraient la France. Mon père allait le matin. Il descendait tous les matins boire son café dans le coin du passage Charles Dallery et de la rue de la Roquette où nous habitions. Il adorait tout son entourage français. Et tout allait bien pour nous. C'était une vie formidable avant l'arrivée des Allemands. In May 1940, Hitler's panzer divisions advanced through northern France. On June 14th, Paris fell to the Germans.
France capitulated. 1 week later, the French agreed terms with the Nazis. France was divided in two. The Germans occupied the north and created a so-called free zone in the south. There, the collaborationist Vichy regime would have its seat. In an attempt to restore national pride, French war hero Maréchal Philippe Pétain was made head of state. Pierre Laval, a former socialist, became prime minister. Wanting to be the second power in Hitler's new Europe, Vichy exploited the anti-Semitic feeling which already existed in France. They encouraged a campaign of propaganda against the Jews. Without prompting from Germany, Vichy introduced anti-Semitic measures. Jews were forced to register with the police. Then, in October 1940, Vichy enacted a Statut des Juifs, a law which stripped Jews of their rights. When the law was published, one of the most prominent lawyers in France today, Maître Yves Jouffa, was 20 years old. He had just been demobilized from the French army. Ça a été pour moi un événement extraordinaire, terrible, aussi grave que la défaite et l'armistice. Je suis allé trouver immédiatement mes chefs de camp. Et je leur ai dit, je ne suis plus un citoyen. Je vous demande en conséquence de me dispenser de tous les services que je faisais jusqu'à maintenant, le matin, le salut au drapeau, les corvées, etc. Et ces deux hommes, que je voudrais bien retrouver maintenant, ont hésité 2-3 secondes, se sont regardés, et ils m'ont dit, nous vous comprenons, nous sommes d'accord. On August the 20th, 1941, French police surrounded the 11th arrondissement of Paris. The 11th was a center of the emerging Jewish resistance against the German occupying forces. Led by young communists, the resistance organized demonstrations and printed anti-Nazi leaflets. Partly in retaliation, the Germans instructed the French to arrest Jewish men in that area. 2,400 police and gendarmes carried out the operation. J'ai vu deux flics, deux agents de police en uniforme et un civil. Et ils venaient arrêter M. Israël Radzinski, c'était mon père. Et ma mère était incapable de prononcer une parole. Ça faisait à peine un an, pas tout à fait un an que son mari était mort. Elle était incapable de prononcer une parole, elle était paralysée pratiquement. The police arrested Sam instead of his late father. Mon père m'appelle. Yves descend, on vient nous chercher. Et il y avait là deux policiers, de ceux qu'on appelle vulgairement les flics, un gardien de la paix et un brigadier. J'ai dit à ce moment-là, je vous rappelle que j'étais sous l'uniforme français il y a quelques mois. Ce n'est pas très beau ce que vous êtes en train de faire. J'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre. More than 4,000 Jewish men were taken. The French police carried out the entire operation, from the actual arrests to the processing of the paperwork. They herded the Jews onto buses, which had been commandeered from the Paris public transport system. Under the watchful eye of the SS, French bus drivers took the prisoners to the concentration camp
à Drancy. Et j'ai été amené à Drancy le 20 août 41. Il devait être 8 ou 10 heures du matin. Je ne peux, entre 8 et 10 heures du matin, je ne peux pas vous préciser l'heure parce que j'avais pas eu le temps d'emmener ma montre. Hein. Et j'ai donc fait, avec près de 5000 autres personnes, j'ai fait l'ouverture du camp de Drancy. Nous pensions qu'on allait nous libérer après une vérification. C'était de la folie, mais on n'avait pas encore arrêté de Français. Moi, je venais d'être démobilisé quelques mois auparavant. Stupidement, on a cru qu'on allait nous libérer. Si on n'avait pas vu qu'il y avait déjà des barbelés, on aurait pu croire qu'on arrive dans un groupe d'immeubles plutôt modernes d'aspect extérieur, puisque la construction avait commencé, mais elle n'était pas terminée. Il y avait par exemple pas d'installation d'eau, pas d'installation sanitaire, à peine des installations électriques et encore pas partout. Donc, une fois arrivé dans le camp, on a été répartis, on a été mis dans des chambrées. Des chambrées, c'était des grandes pièces où on n'avait pas encore fait les cloisons, où on était 50 par pièce. Nous étions sur des chalits qui vont très vite être pleins de punaises, d'ailleurs, on se battra avec les punaises. Sur ces chalits, pas de matelas, pas même de la paille. On dormait à même les lattes de bois. Et le régime va être très vite assez dur. Il y a des gens qui probablement s'étaient jamais déshabillés devant leurs enfants. Qu'on a été 50 dans une chambre, on était tous pratiquement, on se connaissait pas. Être obligé de se déshabiller devant les autres, c'était déjà se sentir rabaissé, un être inférieur. From August 1941 to July 1943, Drancy was run entirely by the French. Inside the camp, gendarmes were responsible for discipline. Armed with machine guns, they also manned the guard towers and patrolled the barbed wire fence. Il y avait deux brigades de gendarmes. Et l'avait-on fait exprès, l'une de ces brigades était très répressive, antisémite, odieuse, l'autre était très correcte et plutôt compatissante. Je me souviens d'un autre, un officier de gendarmerie, qui nous obligeait à longer les murs. Et à un certain endroit, il y avait une vingtaine de robinets d'eau. Ces robinets étaient reliés au mur par un tube qui était peut-être à 50 cm du sol. Quand on passait comme il fallait longer le mur, on était obligé de ramper sous le tube pour passer là. The prisoners were made to run the internal administration of the camp themselves. The building was designed around 22 staircases. Inmates were forced to elect a head of staircase. During the first months of Drancy, their job was to hand out the meager bread allowance. Class divisions between the immigrants and Israelites were exploited. The immigrants were assigned menial chores, while the Israelites had more comfortable jobs and ran the administration. The Nazis tested the system in Germany, where they'd compelled all the Jewish organization to centralize themselves, be represented by one central leadership. The same principle was applied in the camp. You got the Jews to run the internal administration under supervision
In the case of Drancy, it was under French supervision, which itself was supervised by the Nazis. Leur principe, c'était de faire faire le travail de gestion, d'administration à l'intérieur du camp ou des prisons par les prisonniers eux-mêmes. Donc, ils recrutaient déjà parmi ce qu'ils appelaient les proéminents, les gens déjà qui parlaient, tout le monde parlait français, mais ceux qui avaient à leurs yeux plus de qualité que d'autres, qui savaient écrire par exemple. Alors, il s'est formé une caste, ceux qui travaillaient dans les bureaux, ceux qui travaillaient à la cuisine, hein, ceux qui avaient n'importe quel petit emploi, n'importe quelle petite fonction, ça signifiait aussi une différenciation dans le régime. There was a critical shortage of food. By September, men were starving. Au bout de quelques semaines, est apparu des hommes qui, après avoir terriblement maigri, gonflaient, étaient atteints d'une sorte d'œdème. Très grave, parce que quand un homme commençait à gonfler, c'est un signe. Et il y a eu, à cette période, quelques dizaines de morts de famine. Sur leur fiche, on inscrivait « mort de misère physiologique ». Misère physiologique. The only toilet facility for the 5,000 men in Drancy was a latrine at one end of the courtyard. Derrière cette baraque, des latrines, des toilettes, en France on dit des chiottes, hein, on mettait les ordures du camp. Et ça, là, j'ai vu des choses que je ne pourrais jamais oublier. Ça, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, mais je constater, ça n'est pas condamné. J'ai vu des hommes, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être moi aussi, mais pour moi qui avait 18 ans, j'ai vu des hommes se précipiter sur les ordures. Et les ordures d'un camp de concentration, c'est... Les ordures, c'est déjà... C'est épouvantable, mais... Les ordures d'un camp ou d'une prison, c'est inimaginable. Alors j'ai vu des gens, ils attendaient et ils se précipitaient pour trouver à manger. Hein? Alors bon, je l'ai pas fait. Je suis ému parce que quand je parle de ça, je pense aussi à ce qui s'est passé après. Drancy concentration camp was in the center of a community of 35,000 people. Nearby residents could see inside. They could see the gendarmes in their guard towers, machine guns at the ready. Customers at a cafe across the street could see directly into the camp. A gendarme ran a black market, accepting bribes to take a food parcel inside, even, if the price was right, to secure an inmate's release. People living in high-rise apartment buildings overlooked the camp. René Amboulas was 9 years old when the first Jews were brought to Drancy. La pensée des Drancéens libres et des internés, on ne pouvait pas la comprendre, parce qu'on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas leur parler, on ne pouvait pas s'arrêter. Et en plus, les gens avaient peur d'en parler, chacun avait peur de son voisin. Tout le monde avait peur d'être dénoncé pour la moindre chose, et ça a été vraiment le fait primordial qui a fait que les gens n'en parlaient pas. Parce que chacun avait peur d'être dénoncé, on ne savait pas pourquoi ces gens étaient là, et chacun avait peur d'être dénoncé pour une raison quelconque et d'aller les rejoindre. C'est ça qui dominait finalement. C'était pas une indifférence humaine, c'était la peur. On avait peur. By November 1941, conditions inside the French-run camp had become so appalling that the German authorities felt forced to act. Je pense qu'à ce moment-là, les Allemands ont eu peur. Peur de quoi?
qu'il y ait à l'intérieur du camp le choléra ou une épidémie, que cette épidémie soit transmise aux gendarmes qui nous gardaient, lesquels la transmettra à l'extérieur, et n'oubliez pas que nous étions aux portes de Paris, éventuellement à l'armée d'occupation. That November, inmates who were seriously ill, along with those under 18 and over 70, were released. The Nazis worked out the details of the final solution at the Wannsee Conference in January 1942. In France, a broad range of repressive measures were taken against the Jews. They were forced to wear the yellow star. Anti-Semitic propaganda prepared French public opinion for total expulsion of the Jews from France. Then in March 1942, a convoy of 1,112 Jews was taken from the camp at Compiègne and brought to Drancy. From Drancy, they were sent east. Between March and July, a further 4,000 Jews were deported from France. In April, René Bousquet was appointed chief of the Police Nationale by Vichy Prime Minister Pierre Laval. The French police had already filed the names and addresses of Jews in Paris. Under Bousquet's supervision, the police prepared for a massive roundup designed to rid Paris of all Jews. In order to control the Jews more effectively, the Nazis had required the French to form a central Jewish organization. It was called the Union Générale des Israélites de France, UGIF for short. On the 2nd of July 1942, the head of that central Jewish representation in Paris was informed by this commissioner for Jewish affairs that you must expect very shortly to deal with the need to equip 7,000 people that would be sent east. On the 2nd of July, the leadership of that central organization, made up of French Israelite, because as a French institution, organized by the French government, it had to be led by French citizens. That institution was aware that a vast measure of internment was in preparation. Though the directors of UGIF knew that a massive roundup was planned, they did not warn their fellow Jews. Mon père avait un client qui était un inspecteur de police, un très brave homme qui aimait beaucoup mon père. Il est venu deux ou trois jours avant et il a dit à ma mère, faites attention, on a des listes, on va arrêter tous les juifs. Ma mère m'a dit, tu vas dans tout le quartier, tu vas chez tes amis, tu préviens tous tes amis qu'on va arrêter les juifs. Alors je suis partie partout, chez mes camarades de classe, mes petites amies et tout, et partout où j'allais, les gens ils ne voulaient croire. Et en plus, où ils auraient pu aller? Ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient les étoiles, ils étaient inscrits comme juifs. Inside Drancy, preparations were made for the roundup. On nous a fait vider un certain nombre d'escaliers. Et nous avons compris qu'il allait donc y avoir des rafles. Et d'ailleurs, il y a eu des indiscrétions de la part de certains policiers ou de certains gendarmes. On the 16th and 17th of July 1942, more than 3,000 French police arrested 13,000 Jews in a city-wide roundup. This time, women and children were included. Terror spread through Jewish neighborhoods. Some women threw themselves and their children from windows. 100 suicides were reported during the Grand Rafle, the big roundup. The 13,000 were brought to the Vélodrome d'Hiver, a popular cycling arena.
The Belle d'Ive was opposite the Bir Hakeim bridge and metro station, a busy part of Paris. From the Belle d'Ive, the Jews were taken to three concentration camps, Pithiviers, Bonne-la-Rolande, and Drancy. J'ai vu de mes yeux des femmes séparées de leurs enfants par des soldats allemands à coups de baïonnette. Tellement que un certain nombre d'entre elles sont devenues folles. On les a mis dans ce qu'on appelait le bloc 3. On les entendait hurler la nuit. Et une dizaine ou une douzaine d'entre elles se sont suicidées tant sur l'espèce de toit en béton qu'il y a tout autour du camp, une espèce de préau. Among these 13,000 Jews arrested were 4,000 kids, 4,000 children under the age of 12. Around their neck were placed a bit of string with a bit of cardboard, and the name of the child was written down on that cardboard. Kids being as they are, they would swap these tickets with their names on. They would throw them away. No one knew the name of these children, and they were kept for 3 or 4 weeks in Bonne-la-Hollande. Kids unable to look after themselves, unable to eat the cabbage on which they were fed daily, kids being sick with diarrhea within a few days. And then the problem for Daneke, in charge of Jewish affairs, was what does he do with these children? Berlin had given order to send men and women of working age. Daneke sends a telex to Berlin, to Eichmann. What do I do with the children? It takes Berlin 2 weeks to reply, send the children as well. On the French side, the decision to deport the children was taken by Prime Minister Pierre Laval. The French gendarme that had to load the kids in Bonne-la-Rolande onto buses to take them to the railway station were seen to use truncheons on kids, kicking the kids along to get them to move on quickly onto the trucks and buses. The children were taken to Drancy to join the thousands of men and women already there. Most would remain there only 2 or 3 weeks before being deported. During this period, Jews were deported at the rate of 4,000 per week. They were told they were going to work camps. In 1942, Roger Chandelot was a head of staircase in Drancy, a job that now meant more than just handing out the bread. Peu de temps après mon arrivée, j'ai pu avoir un petit emploi qui était adjoint chef d'escalier. Ce travail consistait surtout à m'occuper de la distribution du pain, de la soupe, etc., et des appels, et éventuellement aider les gens si on pouvait les aider. Mais on disposait d'ailleurs de très peu de moyens d'aider. Un peu plus tard, c'est-à-dire quelques mois après, j'étais chef d'escalier. C'était à peu près la même chose, à la différence que j'étais mis à m'occuper d'escaliers, de ce qu'on appelait l'escalier de départ. By August 1942, deportations from Drancy increased to 3 convoys per week. Un départ, les gens étaient désignés, passaient à la fouille, étaient mis dans ces escaliers à raison de environ 70 par chambre. Les chambres, c'était une grande pièce où il y avait un peu de paille et c'est tout. Le lendemain, ils étaient déportés. Les chefs d'escalier, ils les mettaient dans l'obligation, eux, de prendre des responsabilités, c'est-à-dire de remplir les listes de ceux qui allaient partir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Hein ? Bien sûr qu'ils auraient pu refuser. Ils auraient pu refuser, ils auraient été déportés eux-mêmes. Mais
n'importe comment, la quasi-totalité de ceux qu'on fait les listes ont été aussi déportés. Donc, réveil vers 5 heures du matin, café, réunion, etc. À 6 heures, il n'y avait plus personne. On enlevait la paille, des fois, pas toujours. Et on peut dire que dans la matinée, il arrivait de nouveau aux internés qui allaient partir 2 jours après. Il y a des autobus qui sont là. Le compteur tourne, on nous jette là-dedans, on nous empile. Et on fait un très court voyage. Très court, parce que de Drancy à la gare de Bobigny, c'est pas loin. Et on arrive sur des quais, c'est désert, c'est la nuit, il y a des projecteurs et des wagons à bestiaux. On remplit, on tasse les gens dans ces wagons, et quand on est bien tassé, les Allemands, ferment la porte, verrouillent, et on part pour Pichipoy. Pichipoy, c'était le nom qu'on donnait. C'est un nom polonais, je crois. Et à Drancy, on disait, on part à Pichipoy, c'est-à-dire au-delà, quelque part. Et le quelque part n'était pas connu. Heureusement, ou malheureusement, mais on allait à Pichipoy. On ne comprenait pas, on ne savait pas où ils allaient. Certainement, d'autres personnes le savaient, bien entendu, mais le commun des mortels des environs ne le savait pas. On savait qu'ils allaient à la gare de Bobigny, en majorité, mais on ne savait pas dans quelle direction on les envoyait. On ne savait pas ce que c'était, où allait-on. On avait trouvé un mot, Pichipoy. Voilà, on va à Pichipoy. Quoi faire? On ne savait pas. Beaucoup partaient avec l'espoir de vivre, parce qu'on disait, on va nous faire travailler certainement dur, mais pour qu'on travaille dur, il faut qu'on nous nourrisse. Ça nous paraissait logique. On ne réfléchissait pas à ce qu'on voyait. On aurait dû réfléchir un tout petit peu plus quand même. Most of the convoys left from Le Bourget-Drancy station. The trains were operated by French drivers as far as the German border. The station is located in a little square opposite a busy café. The café was popular with men who work for SNCF, the state railway company. These workers witnessed the deportations from Drancy. Nous avons été interpellés par l'arrivée d'autobus qui venait du camp de Drancy et qui se dirigeait, qui était dans la cour en bas de la gare du Bourget Grande Ceinture. Et cet autobus-là était convoyé par des personnels de la RATP et accompagné par des gardes mobiles du camp de Drancy, avec dans chaque autobus un officier allemand ou quelqu'un allemand qui avec mitraillette. Il y avait des femmes et des enfants, des hommes, je pense m'en rappeler que c'était des hommes déjà d'un certain âge, il ne devait pas avoir des hommes jeunes. Mais il y avait des enfants, ce qui m'était resté, c'est que les gardes mobiles ont demandé s'il y avait des enfants de moins de 3 ans ou quelque chose, peut-être 2 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus, pour leur donner des boîtes de lait condensées, avant de les emmener dans les wagons. Je dois dire que c'est à cette époque que nous avons vraiment compris quel était le sort des Juifs internés puis déportés. Jusque-là, on pouvait douter, car au fond, les déportés étaient surtout des hommes jeunes et très bien portants. Et donc la fiction du travail dans des camps de travail pouvait apparaître comme plausible. Mais lorsqu'on a vu partir des trains entiers d'enfants, malades, pouilleux, fiévreux, tout petits, un grand frère de 6 ans, qui traînait sa sœur de 4 ans et son petit frère de 2 ans. Des vieillards, des gens qu'on emmenait sur des civières, des malades, des tuberculeux, ces femmes folles dont je vous parlais, alors on a compris que c'était pour la destruction. Il n'y avait pas d'autre explication.
By mid-November 1942, the French had deported 42,000 Jews. Then, for 3 months, deportations from Drancy stopped. The German army was under pressure on the Russian front. More trains were needed for the war effort. In July 1943, the Germans decided to speed up deportations of the Jews from France. They appointed a German to run Drancy, SS Hauptsturmführer Alois Brunner. Brunner had already supervised the deportation of Jews from Berlin, Austria and Salonika. Lorsque les Allemands sont arrivés, là, il fallait faire très attention de pas trop les fréquenter. Parce qu'il y avait que 3 Allemands dans le camp, mais on les craignait quand même. Ils n'hésitaient pas à tirer 1 ou 2 coups de revolver en l'air. Et on ne sait pas comment ils auraient pu diriger le revolver après, n'est-ce pas? Ils aimaient bien qu'il y ait de l'espace autour d'eux, ils n'aimaient pas être serrés par les... Autant on voulait pas les fréquenter, autant ils voulaient pas nous fréquenter. Il y avait des interrogatoires aussi par Honner qui se faisait présenter les papiers pour savoir pourquoi un tel ou un tel n'était pas déporté. Eva Fagelson's false papers allowed her to pass as a Christian, but Brunner was suspicious and interrogated her repeatedly. Toujours cette peur atroce qu'on me batte, qu'on m'assassine. J'avais même vu tirer sur un jeune dans les jambes, qui était arrivé de la prison de Fresnes et qu'on avait mis dans la cave. Il y avait une prison à Drancy, c'était la cave. Et on mettait beaucoup de jeunes. Je disais, moi aussi, on va me mettre dans cette cave. J'avais toujours très peur. Brunner était toujours assis derrière son grand bureau, qui vous fixait avec des yeux d'un bleu d'acier. Il posait toujours les mêmes questions. Où étiez-vous baptisé? Bruckler se tournait tout autour, toujours avec son air de bœuf. Et de temps en temps, il donnait un bon coup. Quand on répondait pas assez vite, quand on répondait pas ce qui lui plaisait. Et la troisième personne faisait l'interprète. Mais l'interprète était juif, lui, il était juste interprète. After 1943, most Jews in Paris had either been arrested, deported, or gone into hiding. Brunner now decided to take them from the non-occupied zone. He traveled to Nice and began a new phase of roundups. I was taken downstairs, and I vividly remember a very long table. 3 gentlemen sat there, and the one in the middle interrogated me. He asked me my name, where I was born, and he did not want to believe me, and he hit me on the side of the face. And then he made one remark. He said that Jews, blacks, and dogs belong under the table. Eric arrived in Drancy in November 1943, he stayed for 3 weeks. I was walking in the courtyard, just taking a walk. All of a sudden, I saw an SS officer. I recognized his face. His name was Brunner. I stopped and I said hello to him. I was 15 years old. I didn't know what that was, how evil those people were. He was very docile, very polite. He looked at me, gave me a smile, and walked on. Drancy was a camp of deception. We thought we were going to stay there for the duration. For how long, I had no idea. I had no idea that one day we were going to be shipped out. Graffiti in Drancy shows that even in mid-1944, most inmates did not know their ultimate destination. Many wrote that they were leaving in good spirits.
Like the other 74,000 deportees from France, Liliane Lévy-Osbert discovered that Pichipoy, the unknown destination, was Auschwitz death camp. 43,000 French deportees were gassed immediately on arrival. Liliane was selected for work. Alors là, on commence. On vous inscrit le numéro, là. Moi, j'ai un 74 855. On ne peut pas l'oublier, il est là. Et au moment où la fille, l'internée, la déportée vous raconte ça, elle dit, tu vois, les flammes là-haut, là. Tu vois, et alors on voit une grande cheminée avec des flammes. C'est les gens de ton convoi qui brûlent. Alors là, on comprend pas. Mais oui, tu vois, vous êtes sortis du train, vous êtes rentrés, et les autres sont directement partis d'une chambre à gaz. Et là, ils brûlent déjà. Alors. Eric Rosen was deported to Auschwitz. He too was selected for work and sent to a satellite camp, where he labored in a coal mine owned by the German company IG Farben. I was given a shovel to shovel coal. At the age of 15, that shovel was heavier than me. By the time I got the shovel halfway into the railroad car, I lost half of the coal. When the guards saw that, they stopped beating me up. And that was going on for maybe for a few days until one day I just said, I'm not going to do it anymore. When I went to the bathroom to wash up, I saw a faucet. I took a string that was holding my pants, and I took one end of the string, put it around my neck, and the other half on the faucet, and let myself go. And I didn't succeed to commit suicide. It didn't work because somebody caught me, and they called the guards, and they unleashed the string, which was already tied around my neck. And the guards beat me up, and they punished me because I was sabotaging the war effort. Brunner continued his personal Holocaust mission. In August 1944, he forced Ujiv to supply lists of children in Jewish orphanages and had them deported. Before leaving Paris, he took mothers and babies from the Rothschild Hospital and sent them to the gas chambers. Of the 74,000 Jews deported from France, only 2,500 survived. Drancy was the anteroom of Auschwitz. At the liberation of Paris, the gendarmes who were guarding Drancy changed sides and joined the resistance. Et alors, ce que j'aime, c'est que dès qu'il y a eu la libération du camp, ils avaient des brassards France d'abord. Ça a été ma première vision de ma libération. France d'abord, la police française et les gendarmes. J'étais un peu étonnée, mais ensuite j'ai su quand même que la police française avait pris les armes et s'était mise contre les Allemands quand même. Donc j'ai compris après, mais ça a été quelque chose de terrible pour moi de voir les gendarmes qui quelques jours avant nous gardaient encore à la porte, ils s'étaient mis des brassards France d'abord. C'est indéniable que pour, dans sa grande majorité, la police comme la gendarmerie se sont mises au service des Hitlériens. Mais ils se sont mis au service des Hitlériens parce que Vichy, Pétain et toute la haute administration française étaient les héritiers de la politique de capitulation devant Hitler d'avant-guerre. In 1976, 32 years after the liberation of Paris, a monument to the deported Jews was erected at Drancy.
50 years after being deported by the French, Eric Rosen returned to Drancy. Nightmares are occurring. I'm not only thinking about Auschwitz, but I'm thinking about my experience in Nice, my experience in Drancy. And I remember, I can see sometimes at night when I dream of the barracks that I slept in Drancy. Some governments in Europe, they were forced to do it. But my personal feeling is the French liked to do it. They did it with a little bit more fervor than other countries. Like we say in America, they went against the Jews with gusto. Et je vais vous dire une chose. J'ai 74 ans. J'ai été avocat à la Cour de Paris, membre du Conseil de l'Ordre. Je suis maintenant conseiller d'État en service extraordinaire. Quand je passe à côté d'un uniforme de policier, j'ai toujours un petit quelque chose. Je reste marqué pour la vie. Drancy replaced the advertised witness, The Devil Amongst Us, which will be shown at a later date.